Salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ensemble, on va voir aujourd'hui, tout simplement, comment espionner vos concurrents, espionner, voilà, quoi, voir un petit peu ce qui se passe sur Facebook, les produits qui sont vendus, les produits tendance, les vues sur des vidéos qui sont énormes. Donc, il va vous permettre de justement de faire pareil, mais sur votre marché. Donc voilà, vous regardez un petit peu les tendances. Et ce qui arrive. Alors, pour espionner, dans un premier temps, je vous invite à passer votre Facebook en US. Pour passer votre Facebook en US, il vous faut aller ici, donc paramètres, quand c'est offrandé. Moi, c'est parce que le mien, il est en truc. D'accord, il est. Hop là. Ici, vous allez dans langage. Ici, vous allez. Donc, éditer et la langue. OK? Donc, je vous invite vraiment à faire ça. C'est important de faire ça. Donc, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous fassiez? Donc, tout simplement, ici, tapez le mot-clé Claim Your Now. Uniquement, d'accord? Après, vous pouvez le faire avec vos mots-clés. Mais là, par exemple, on tape en général. Okay, donc là, par exemple, bon, là, il y a vidéo, vous pouvez mettre post, d'accord, pour voir les posts qui, okay, donc, qui ont cartonné. Donc, public post, il est en train de charger. Ok, donc voilà. Par exemple, là, 348 partages, un produit, Silho. Donc, mets-moi tout. Voilà, un produit. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oui. Ok. Là, un produit qui est pas mal. Très, très, très joli. Ça, voilà. 413 commentaires. Vous pouvez aller voir la boutique, bien entendu. C'est pas mal du tout. Donc, je vous invite à faire cet exercice-là. Alors, une fois que vous avez un produit qui semble pas mal avec des bons commentaires, là, par exemple, il y a 2600 partages quand même, hein, sur ce type d'article. Donc là, par exemple, on va aller voir ça. Ok. Voilà, très très. Alors, c'est un, ouais, c'est un free produit gratuit, quoi. Produit gratuit, très belle boutique, bien faite, rien à dire. Ils vendent énormément aussi, quoi. Donc, alors, pour espionner, pour pouvoir voir quel est le best-seller de cette boutique-là, tout simplement, ben, il y a un code à mettre juste derrière. Donc, je vous montre ça, le best-selling. Vous mettez ce bout de code là. Tac. Voilà. Hop là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, voilà. Montre les best produits. Donc là, comme vous voyez, très 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 beau. Très beau bracelet. Très joli bracelet. Ça marche très très bien, ça, en fait. Hein. Apparemment, ça a l'air de très bien marcher. Un produit qui cartonne, quoi. Comme vous pouvez le voir là ici. Donc, voilà. Alors, ensuite, ah, ça peut vous donner des idées. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Ça peut donner des idées pour des produits à tester. À tester, hein, sur une audience, à tester. Hein. Donc là, tout ça, voilà, il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi faire. Après, passez sur les vidéos aussi, hein, très important les vidéos. Ça marche, ça cartonne. Regardez comme là, on a des milliers de vidéos, bon, 242 000 vues, on a plus, on a beaucoup plus, hein, il y a 1 million de vues, voilà, sur cet article-là, 1 700 000, sur cet article-là, 135 000, 6 millions pour cet article-là. Ok, donc pour cette vidéo-là, voilà, c'est pas mal du tout. Bah, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Je vous laisse faire la manipulation, cette petite exercice, en fait, puissiez voir un petit peu ce qui se passe sur le marché US, d'accord? Ensuite, j'ai un autre site à vous montrer, donc voilà, on y est. Donc c'est myip.ms, myip, myip.ms. Moi, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. D'accord? Donc là, par exemple,
vous pouvez voir toutes les boutiques Shopify. OK? Regardez, là j'ai la liste des boutiques Shopify. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ici. Vous allez ici, vous mettez là, ici, vous recherchez donc Shopify. OK? Vous faites rechercher. Et badaboum, c'est voilà, plein de boutiques. C'est génial. Voilà, il y a plein de boutiques, vous avez de quoi faire. Je laisse le temps de regarder. Ça peut vous donner des idées de niches aussi qui peuvent être exploitées sur le marché français, par exemple, ou sur un marché anglais, hein, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. La portée est très, très, très grande sur les marchés US et anglophones. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Demain, vous reproduisez une boutique qui existe déjà, en fait, en anglais. Vous l'adaptez un petit peu à votre sauce, bien entendu, mais il y a de la place pour tout le monde. Sur le marché français, il y a certaines idées, voilà, qui vont arriver sur le marché français ou des produits qui vont arriver. Essayez d'être dans la vague, on va dire. C'est important d'être dans la vague pour que vous puissiez, voilà, prendre votre part de gâteau, bien entendu. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez sur une de mes vidéos. Donc voilà, je vous dis à très vite. Allez, ciao.